الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، شير سير شير فرير شير جون، الله عز وجل في القرآن Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Tout doit périr, sauf son visage. À lui appartient le jugement. Et vers lui, vous serez ramenés. Comment trouver une stabilité, un apaisement dans un monde agité? Covid, licenciement, pas de travail, séparation, etc. Comment trouver cet apaisement? N'oublie pas, de toute façon, s'il n'y aura pas le Covid, il y aura une autre épreuve. La terre, cette terre est une terre d'épreuve. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est la loi d'Allah. Le résultat, Inch'Allah, dans la vie de l'homme. Le paradis et les célestes. Donc, la réponse est simple. Tout d'abord, dans ces détails, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la noble face d'Allah, Azza wa Jalla, son adresse. Ensuite, il faut cheminer dans le droit chemin. Ça veut dire quoi le droit chemin? Le chemin de l'équilibre. Comme si tu marches sur un fil plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un épée. Tu dois rester équilibré. Alors, je vais détailler, développer cette réponse. Tout d'abord, Allah Azza wa Jalla a dit, subsistera la face, seule subsistera la face de ton Seigneur. Alors oriente ta face vers la face d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit dans le Coran, si Zayn Ibrahim dit dans le Coran, et cette invocation à répéter avant chaque prière, hein, la destination, vous voyez, et le cheminement, la prière, la destination, le Kaaba, et le cheminement à la prière. Mais avant la prière, je tourne mon visage, ici le visage du cœur, le cœur, exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Hanifan, dans le Coran, signifie celui qui se détourne, qui abandonne, qui délaisse toute forme d'associationnisme, qui s'éloigne de toutes les idoles, constamment. Donc il y a la vigilance ici. Croyez-moi, le Covid nous aide à trouver cette vraie libération. Écoutez le souffle de la liberté, recherché par Saïd Ibrahim lorsqu'il est était face à un choix. Adorer Dieu ou être brûlé par le feu. Il a choisi Allah Azza wa Jalla. Il a dit, ouf, en arabe c'est très fort, en français c'est fuis de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Tout excès risque de se transformer à une idolâtrie, ne serait-ce que l'amour des habits. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à l'adorateur, ça c'est les statues cachées, à l'adorateur du dirham, malheur à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur des beaux pâturages, malheur à l'adorateur des beaux habits. Si on lui donne, il est satisfait, mais si on ne lui donne pas, il est courroucé. Tout attachement à un excès du matériel mortel nous prive de la vraie liberté. Le Covid est une libération. Croyez-moi, c'est une leçon de tawhid. C'est une leçon d'unicité de Dieu. C'est une leçon de sincérité. Allah Azza wa Jalla dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. L'argent est mortel. Toute chose en dehors d'Allah doit disparaître. Jamais tu ne places ta confiance, la remise confiance à une chose qui est vouée à mourir.
Mais attention, ça c'est la destination. Maintenant, dans le cheminement, je suis attiré par les objets de jouissance éphémères. Et c'est très difficile de les écarter, de les chasser de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont ancrés. C'est leur amour est instinctif. Il est naturel. Allah dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, thésaurisés, or et argent, chevaux, marqués, bétail, échecs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. L'amour des objets de jouissance éphémère est naturel. On ne peut pas l'extirper ou l'anéantir. Alors, on fait quoi? On doit le maîtriser. Ça veut dire quoi, le maîtriser? L'utiliser pour gagner la vie de l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit à Corée, et cherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure derrière. Des fois, avec une simple intention. Le prophète l'a dit, il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez. Il faut juste penser à la noble face d'Allah Azza wa Jalla. Comment trouver encore cet équilibre ou comment chercher ou rechercher à travers ce bas monde la demeure dernière? La réponse est simple. Et comment trouver l'équilibre? Donc, l'apaisement du cœur est simple. Lorsque tu es éprouvé, lorsque tu es affligé, tu fais quoi? Tu fais des ablutions et de la crainte. Donc, la réponse pour trouver l'équilibre dans la vie d'ici-bas est la prière. Allah Azza wa Jalla a dit, oui, l'homme a été créé instable. Donc, dans le sens très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Refuse de donner, sauf ceux qui accomplissent la salette. Elle nous donne l'équilibre, qui sont assidus dans leur prière, à leur prière. Et dans la prière, n'oublie pas une autre chose, parce qu'on le sent faible, on a besoin constamment d'Allah. Fais le pain. Oh Allah, accorde-moi l'âme apaisée. Allah dit, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Satisfaite et agréée. Demande à Allah et répète le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, ne fais pas que ce monde, ce bas monde, ne fais pas de ce bas monde notre plus grand souci et notre ultime connaissance. C'est le prophète qui fait ce dua. Et pense aussi, surtout pendant cette période d'épreuve, je parle du Covid ici. C'est une période pour apprendre la patience. Fais le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était chassé de Taif, qu'est-ce qu'il a fait? Il était humilié par les fous et les enfants de cette cité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la kaate d'abord. Ensuite, il a fait ce joli dua. Vous pouvez le trouver sur internet. Tout cela peut, importe peu, tant que je ne m'attire pas ta colère, car pour moi, ta faveur et plus vaste que tout. Donc la conclusion, pour trouver la stabilité dans un monde agité, n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Allah. Ensuite, contemple ensuite, marche équilibrée à travers l'accomplissement, Inch'Allah, de prière à l'heure et avec humilité. Inch'Allah. نعمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اصرف قلوبنا إلى الآخرة يا رب العالمين اللهم من علينا برؤية وجهك الكريم اللهم نسألك الإخلاص اللهم نسألك الإخلاص اللهم يا أرحم الراحمين إنا ضعفاء فقونا اللهم يا رب العالمين من علينا بجوارك يا رب العالمين ومن علي بمرضاتك يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين لا تحرمنا شربة الهنيئة من حوض النبي اللهم بعدها أبدا فرج على إخواننا في المسجد وفرج على جميع المستضعفين وأقيم الصلاة.
Thank you.